Béchour et... Allez, ça y est, ça commence. Allez, allez. C'est bon? C'est bon, vous êtes content? Je me suis fait bully. Bonjour. Vous allez me laisser dire bonjour quand même. Bonjour les gens. Oya. Comment allez-vous? Comment ça va? Oya Yari. Oya Ivy. Comment ça va aujourd'hui? Comme un dimanche. Mieux que moi en tout cas. J'espère. Chez moi, il fait gris. Fait gris, j'ai envie de rien. Mais on va quand même stream, hein, évidemment. Quoi de neuf? Comment s'est passé votre week-end? Ah, toujours un plaisir de le faire. Ouais, mais bien sûr. Je vais finir par mettre un temps, moi, hein, sur ça. Genre, vous pourrez me bully quand le stream sera fini. Hein, ça va être bien, ça. Ça va, fait gris chez moi. Ah bah, ah bah voilà. Voilà, c'est toi qui m'as contaminé avec ton mauvais temps. Chez toi fait beau, alors qu'on n'est pas loin. Ouais, c'est ça, t'as pris tout le soleil pour toi. Voleur. Ça, j'en abuse pas. Non, à peine. Une fois par jour. Enfin, à condition que je stream tous les jours. Mais... Non mais voilà, maintenant c'est Ivy. Ça suffit, oui. Bon. Alors, comment ça va? J'espère que ça va bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes remis de vos émotions hier. Aujourd'hui, on va faire du Okami. On va profiter parce que c'est le dernier stream avant un petit moment. Je dis ça comme si c'était une annonce dingue, alors que pendant un peu plus d'une semaine, j'avais pas streamé. Donc c'est pas pour 3 jours de plus. Hein. ouais, du coup, aujourd'hui, on va faire du Okami. Je sais pas combien de temps je vais prendre. Je pense que je vais au moins traîner jusqu'à 18 ou 19 heures. Enfin, il faudrait déjà que je commence. Et puis après, ben, vous ne me reverrez pas avant mercredi ou jeudi ou vendredi ou samedi ou l'année prochaine. Ça fait peut-être un peu loin, mais on verra. J'ai failli faire un stream fin de matinée, genre totalement à l'improviste, mais mon estomac a creusé, puis j'avais pas envie, si jamais ça m'aurait plu, j'avais pas envie de faire un truc qui me plaisait. Pour devoir arrêter 3 jours pendant 3 jours. Du coup, voilà. Du coup, c'est pas impossible que pas la semaine là, à partir de demain, mais la semaine encore après. Voilà, il y a peut-être des streams à l'improviste qui se pointent et auxquels là, par contre, ça va se concentrer sur Meia. Oui, hein, parce qu'il faut bien que j'avance un petit peu dessus. Hein, c'est bien beau de streamer, de se faire bully, de sauver le monde et tout. Mais bon, le monde il va pas se faire tout seul. C'est vrai en plus. Bref, bon, allez. Disons que j'ai pu profiter d'être avec un rongeur toute l'après-midi. Un rongeur. Eh ben écoute, j'espère qu'il t'a bien rongé. Et puis, c'est un master, c'est ça? C'est un master. Ouais, je sauve le beau derrière de ma femme. Ouais, bah c'est mal parti, hein. Bon, allez, on switch. Voilà, alors le jeu, tu vas t'afficher. Voilà, c'est bon. Le jeu, il s'est affiché. Alors. On a à peu près la moitié de notre vie. On a, je pense qu'il nous reste deux pots de peinture, deux pots d'encre. À avoir avec les points de bonheur. On s'était arrêté au moment auquel il fallait voir la reine Himiko. Et après on va voir l'île Oni. Ah oui, pot de peinture. Oui, bah oui. Alors, ça fait 2 semaines que j'y ai pas joué. Je me souviens plus des touches. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse les dialogues. Hein? Mais qu'est-il donc arrivé? Hé, jolie dame! Himiko! Elle est morte.
C'était terrifiant. Un monstre de 10 fois ma taille est apparu. Il a détruit la barrière magique et a laissé ainsi la reine Himiko. C'est bien toi, Hironine ? De quel monstre parles-tu ? Cette chose gigantesque qui t'a attaqué au temple Ankoku ? J'ai peur maintenant. Les forces du mal doivent être défaites pour sauver notre peuple. Leur chef est une bête d'une telle puissance. Aucun être humain ne peut lui résister. Les pauvres mortels que nous sommes ne pourront pas lutter. Par tous les kami. Himiko disait qu'elle serait en sécurité avec sa boule de cristal. Alors comment donc cela a-t-il bien pu arriver ? Hé, Ama, pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder Gros Néné ? Et le rongeur, c'est ce que je t'avais parlé. Ouais, je crois que je m'en souviens brièvement. Je vais être en leur bisous, merci pour tout à l'heure, Kaivi. Passe une bonne après-midi. Peut-être à tout à l'heure. Himiko est morte. Ne ressens-tu pas un peu de tristesse au moins ? Qu'est-ce qui ne va pas, Ama ? Amaterasu ? Que fais-tu ? Couché, Ama ! As-tu perdu la tête ? Es-tu aussi possédé par des influences maléfiques ? Quoi ? Kanjizai Bosatsu. Oh la vache. Ah, c'est pas la journée de faire des dialogues aussi compliqués quand même. Gyojin Han Nyaharat Mitadji. Shoken Gohon Kaiku. Doi Sai Kuyaku. Ça va, je fais bien le japonais. Ah, c'est pas Gros Néné ça. Hein. Non. Ça, c'est pas Gros Néné ça. Qu'est-ce que... Pourquoi ces yeux bizarres, Gros Néné ? Arrête ! Tu me fiches les jetons ! Bah, continuer ainsi ne ferait que gâcher mon plaisir. Tu es une bête rusée, Amaterasu. Je vous ai entraîné à l'épave comme un pas pour le dragon. Mais vous avez réussi à vous échapper et à obtenir le maillet porte-bonheur. C'est une des oreilles qui a massacré le mien. Grou ! Vous avez même débarrassé la ville de la brume empoisonnée. Vous avez aussi commencé à chercher l'île Oni pour détruire ma forteresse. Et vous avez même vaincu le puissant dragon. Gros Néné ? Mais maintenant que le dragon n'est plus, ma forteresse est imprenable. Et Himiko n'est plus qu'un corps sans vie. Vous ne saurez jamais où se trouve l'île Oni maintenant. La chance est de mon côté. Occuper le corps de la prêtresse Tsuzurao a tout rendu si simple. Briser la barrière magique de Himiko était aisé une fois à proximité. Ama, où est donc passée la belle poupée que nous aimions tant ? Et tout ça grâce à cet objet que vous avez dérobé au dragon des mers. Désormais, la peau du renard m'appartient de nouveau. Amaterasu, bête stupide. Pensez qu'il serait aussi simple de vaincre cette source magique. Et c'est toi qui as redonné son pouvoir au roi démon. Oh. C'est vraiment le roi démon ? Le grand maître des yokai. Mais la peau du renard a brisé la barrière de la boule de cristal. Comme du verre. Si seulement vous aviez pu voir mourir Himiko. Je pense que je vais prendre cette boule de cristal avec moi. Juste au cas où un de vos amis pathétiques voudrait me localiser. Madame, permettez-moi de vérifier votre stuff. Non. Et si je m'occupe de toi aussi maintenant ? Amaterasu. Plus rien ne se dressera sur mon chemin. Ama, tu te souviens de la révélation du roi des dragoniens ? Il nous avait montré comment face de renard avait tué Gros Néné. Mince, c'est vraiment une bonne actrice. Elle nous a bien eu. Et regarde ce qu'elle a fait à cette pauvre petite Himiko. Bon, je pense que nous n'aurons plus à nous soucier de l'Ilonie. Nous allons l'achever ici et maintenant.
Alors, je me souviens plus du tout de ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Alors. Loupé. Mais... Oh, j'ai plus beaucoup d'entrain. Ah purée, j'ai loupé mon coup. C'est bon. Ah, encore un. Voilà. Eh, hey, coriace, hein. Oh. Alors, attendez. Tiens. Bon, son heure est venue, Ama. Achevons cette sorcière à tête de renard. Là, ça sent pas bon. Pauvres imbéciles. Vous pensiez vraiment que cela serait si facile? Mes pouvoirs dépassent votre entendement. Voici un avant-goût de ce que peut faire le roi démon. Petite divinité animale. Seule la taille de cette pièce t'a sauvé. Elle est trop étroite pour que j'y déploie toute ma furie. Et toute résistance est inutile, car ton dernier espoir a disparu. Je vais maintenant retourner sur l'île Oni et rassembler mes troupes. Alors nous reviendrons et abattrons ceux qui se dresseront contre nous. Alors si cette pièce elle est étroite... Alors que moi je la trouve énorme. Voilà quoi. Par contre, il a oublié la perle. Amaterasu avait ainsi permis au roi démon de s'enfuir. Une telle cruauté avait donné des frissons dans le dos du loup. Amaterasu et Isun restèrent plongés dans une détresse accablante. Kimiko avait persévéré dans sa recherche de l'île Oni. Cela lui avait coûté la vie de la main même du roi démon. Avec Kimiko, disparaissait tout indice pour localiser l'île Oni. Amaterasu et Isun n'avaient plus beaucoup d'espoir. Abandonner leur quête paraissait la seule option possible. C'est alors qu'ils remarquèrent que la boule de cristal entachée de sang, abandonnée par le roi démon, montrait l'image de Himiko. Okaili, Yasaku. Incrédule, Isun écouta, tandis qu'elle commençait à parler. Comment ça va? Afin de trouver l'île Oni, la reine a dû revêtir une nouvelle forme éthérée, pour pouvoir entrer dans cette boule de cristal en quête d'indices. Elle s'était laissée consumer afin d'utiliser le pouvoir du roi démon.
Elle savait aussi que le roi démon possédait la peau du renard. Tout était prévu. La volonté de Himiko emplissait la boule de cristal d'un grand pouvoir. La forteresse abritant les forces du mal se matérialisa. L'île Onin apparaît qu'au coucher du soleil en certains endroits. Hop, attendez 2 secondes. L'endroit révélé par la boule de cristal n'était rien de plus qu'un point au large de la péninsule de Ryoshima. Près d'un lieu appelé le Cap du Guetteur. L'île Onir apparaîtrait encore vers ce cap lors du prochain crépuscule. Un mince espoir reprit alors possession du cœur de nos héros. Tandis que l'image de l'île Oni s'effaçait de la boule de cristal, une fissure apparut et morcela l'image de Himiko. Elle avait payé le prix ultime en manipulant le pouvoir du mal. Le cristal lui-même était épuisé. Le destin de l'âme de Himiko était lié inextricablement à celui de cette boule de cristal. Un éclat de lumière aveuglante surgit des débris en cristal. L'âme de Himiko fut extraite de ses fragments épars, puis glissa sereinement vers le ciel, tandis qu'elle priait avec ferveur pour qu'Amaterasu fasse un voyage sans encombre. Oh mais c'est joyeux, dis donc! Ça va être... Bah écoute, ça va bien. Comme un dimanche. La flemme. Comme un dimanche. Ama, le soleil va bientôt se coucher. Et l'île Oni disparaîtra. Himiko a perdu la vie pour nous confier cette révélation. Quoi qu'on fasse, nous n'avons pas le droit de tout gâcher. Peu importe que la barrière sur l'île Oni soit infranchissable... Allons tout droit vers le cap du guetteur, Ama. Oui. Alors, du coup, le cap du guetteur, c'est... À Ryoshima. Pourquoi je peux pas... Ah, si, c'est bon. Himiko, c'était pas possible. La pauvre, on peut pas la prendre avec nous. C'est honteux. Alors déjà, on va sauvegarder. J'ai pas envie de me retaper tous les dialogues. Hop. Alors quoi de neuf? Ça fait beau ce matin. Il n'y avait pas un endroit pour se TP ici. Hé, hey, comment es-tu arrivé là, le cabot? C'est affreux, comment as-tu passé nos défenses infranchissables? Comment avons-nous pu laisser tomber la reine Himiko comme ça? Ah, sors d'ici, cabot! Alors par contre, la reine, je suis au regret de vous annoncer que... Hein? Voilà. Une céleste? Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Tu l'as fini ou pas encore? Attends une seconde, Ama. Ça va pas. Il n'y a pas de temps à perdre avec ce machin. Mais quoi, mais... Oh, purée. Je peux même pas sortir de la ville en TP. Hein.
suis déjà perdu. Globalement, ça va, c'est pas trop compliqué pour utiliser l'outil. Lui on peut pas, on va essayer de faire quelques arbres. C'est bon, vu qu'on commence à galérer avec avec les combats. Ouais, un point par contre, ça donne pas grand chose. Non, ça va, c'est simple. Non, ça va là. Voilà, lui il est encore maudit. Lui. On va aller voir de l'autre côté. Lui il est maudit. Lui on peut. Ok là c'est bon. Oh, intéressant ici. Et le soleil va finir par se coucher si on ne s'active pas. Allons tout droit vers le cap d'Igeterne. Ah purée, je suis obligé d'y aller maintenant, quoi. Quelle honte. Allez, le cap du guetteur. Comment diable as-tu pu entrer dans la ville? La surveillance est étroite aussi. La surveillance est étroite. Aussi, nul ne devrait pouvoir la déjouer. Certes, je ne crois pas qu'on devrait trop se méfier d'un chien. Tu parais bien trop gentil pour être un démon déguisé de toute façon. Ah, et si tu savais. Le cap du guetteur, c'est par là. Voyez, on aurait pu se TP là. Alors, le cap du guetteur. C'est là auquel il y avait Shimaru machin là. Shichimaru.
Oui, ça doit être ici. Ok, c'est pas là. Ah non, c'était l'autre. Déjà la nuit tombée, ça signifie que l'île Oni a disparu des eaux du cap du guetteur. On ne la retrouvera jamais. Oh purée, faut vraiment que j'y aille un temps limité. C'était vraiment giflé d'avoir des pensées aussi négatives. Idiot, je suis vraiment un idiot. Le temps est trop précieux, pour être perdu. La prémonition pour laquelle Himiko a perdu la vie. Quoi qu'on fasse, nous n'avons pas le droit de tout gâcher. Peu importe qu'on ne brise pas la barrière sur l'île Oni, filons droit devant le cap du guetteur. Tout tout. Oh yeah, quick. Comment ça va? Alors du coup c'est ici. Le soleil ne s'est pas levé. Une puissance maléfique empêcherait-elle le soleil divin? Est-ce parce que le roi démon est en liberté sur l'île? Ah, je peux même pas gagner du temps en faisant le... En faisant le soleil, quoi. J'ai vraiment pas le... Ça va pas, j'ai pas entendu vu l'item se balancer. Eh ben c'est parce que il a été sur le... Le miss Grou. Ça, ça c'est Saku qui l'a validé, dis donc. Dis donc. C'est parce qu'il a été raté. Non mais... Oh, Amaterasu. Otohime, ma petite algue préférée. Comment t'as trouvé cet endroit? J'ai ressenti le funeste regret de la reine Himiko à son dernier soupir. Sa tristesse a résonné jusqu'aux lointaines salles de mon palais. Regarde le soleil, il s'enfonce dans la mer. Une fois disparu, l'île Oni aussi disparaîtra. Personne ne sait où elle réapparaîtra. Et aucun sort invoqué par les mortels ne pourra deviner son entassement. C'est sûrement vrai, joli coquillage. Mais tu sais, peu importe désormais, car on ne peut plus briser la barrière. Le dragon des mers était notre seule chance et il a disparu. Le dragon des mers n'est pas mort dans le vrai sens du terme. Je peux utiliser une partie de son pouvoir grâce à l'orbe du dragon. Amaterasu, moi, Otohime, reine des dragoniens, je vais me transformer en dragon. Puis briser la barrière de l'île. Faites que je serve de pont divin vers les cieux. Ah non, ça va pas, ce nouveau pseudal et coucou, ça... Oh bah, ah bah bravo, hein. C'est sa cour quand elle se transforme le matin, ça. Vous avez vu, hein? Elle est longue. Hein. Tu t'es pas vu? Ah bah non, moi je regarde pas le miroir. Maintenant, Amaterasu, tu dois traverser tant que la vie coule encore à travers mes veines. Non mais elle aussi, elle se sacrifie. Il y a trop de sacrifices dans ce jeu. C'est parti. Mais... Dis donc. Mais... Oh... Saku, toi... Ça va se payer. Ça, je vais le retenir. Ça va se payer. Tiens le coup, petit coquillage. On sera de retour en moins de deux.
Désolé, boule de poil. Mais les kibidango, c'est pas ton truc. Tu devras te contenter de filer une raclée au monstre de l'île. Yippie! Yippie! Moi aussi, c'est faire yippie, hein. Allez, l'île Oni! À ma connaissance, c'est l'un des deux donjons les plus chiants. Écoute, Hama, Himiko est certainement en train de nous surveiller, alors. Promets-moi que tu ne renonceras pas pour une raison idiote. Du genre, j'ai faim, ou je veux faire pipi. Hein, comme ça, coup. Je vais faire pipi. Attendez-moi. Prêt? Oui. Bien sûr. Bien. Dans ce cas, tâche de tenir ta promesse. Bien sûr. Bon, allez, nous sommes sur l'île Oni. J'espère qu'on va pouvoir sauvegarder au début. Bon, je retourne à mes affaires. Toi, tu sais ce que je t'ai demandé par MP, hein, Saku. C'est les autres blondes qui piquent. A plus, Quick. Merci d'être venu. Ouah, je n'aime pas du tout ce truc. Nous devrions finir rire en touchant ce truc normalement. Et cela devrait être comme de l'eau. Ouais, ça devrait être comme de l'eau pour toi maintenant, Anna. Allez, que penses-tu d'un tour de magie aquatique? Je crois pas, je laisse le lurk. Ah, bah c'est gentil, merci pour ta lurk, Quick. Passe une bonne après-midi. Alors non, on va pas pouvoir sauvegarder. L'île Oni. Purée. J'aime bien ce donjon, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Alors, du coup, à gauche ou à droite? Allez, on va aller à gauche. Faire attention, puisque là, du coup, on peut pas prendre les nénuphars. Là, il y a un coffre. Une perle. Non, c'est pas une perle. Bah si, c'est une perle, mais c'est pas une perle errante. Hop. On va quand même aller voir de l'autre côté. Oh, il y a un coffre ici. Oh, il y a un coffre ici, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais je peux pas y aller. Je peux pas encore couper les rochers, hein. Oups. Non, je peux pas encore. Alors par contre, si jamais il y a des perles errantes ici, absolument que je les prenne, parce que une fois sorti on pourra plus jamais y retourner, à moins de recommencer le jeu. Donc on va essayer de tout fouiller, de prendre son temps. Là il y a un coffre aussi. Un charme. Ouais. Ok. Une pêche d'or, ça peut nous aider, ça.
Hop. C'est dommage que j'ai pas la compétence pour couper les rochers comme ça. Oh, qui sont pas beaux. Cric et croc. Alors. Ah oui, c'est vrai, je peux pas encore manier le feu. Vas-y, viens, allez, vas-y, vas-y, fonce. Oula, c'est peut-être pas ce que j'avais en tête. Ouais, non, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Ça va. Alors, je vais juste voir mes points de bonheur là. 415. Est-ce qu'on se reprendrait pas de l'encre ou de l'énergie? Ou alors le troisième estomac pour être tranquille? Hmm. 415, 41 moins 35, ça fait 65. GG level up IV. Ouais, 65. On verra. On avisera quand on sera devant un boss. Il me faudrait quand même encore un peu plus de points de bonheur. L'île Oni. Il faut avoir un esprit sacrément tordu pour y construire un château. Je parie que ces monstres en toc se prennent pour des as là-dedans. Donnons-leur une bonne leçon. En nous frayant un chemin au sommet et en attrapant cette sorcière à tête de renard par la peau du cul. Par la peau du cou. Oh là là, Isfoun, c'est pas bien. Non mais si, ça va, on peut sauvegarder. Qui va là? Et comment as-tu fait pour venir juste ici? Tu n'es pas venu nous envahir, nous, pauvre peuple de l'Iloni? Si c'est le cas, tu vas avoir affaire à moi. Un combat pour cesser tous les combats. La meilleure façon d'y prendre? Avec un zeste d'affaires, bien sûr. Allez, on va faire les courses. Est-ce qu'il a pas un truc intéressant, lui? Non. On va quand même prendre quelques eaux célestes. Ça peut aider. Pour l'encre. On en a 15. Ouais, ça passe encore. Pièce de cire, on en a plus besoin. Et ça, on en a plus besoin. Hop, on va aller voir ce qu'on peut vendre. Alors. Du coup, rien de ce côté-là. Alors, une bille de verre. Un vase.
50 de taureau. 3 cristaux. 3 perles. Et c'est tout. Oh, y'a mignonnerie, comment vas-tu? On va re-sauvegarder. Allez, on commence. Alors, ici, il faut du jus. Ici, il faut une clé. Donc, on part à gauche. Et là, il faut du jus aussi. Bon. C'est bon, on est bloqué. Bah, écoute, ça va bien. Comme un dimanche. Ah non, c'est un peu allé là. Comme un dimanche. Est-ce que t'as bien dormi? Alors, du coup, hop. Non, toi, j'ai pas tout fait. Toi non plus. Ah, mais il a changé, lui. Il était en foudre. Oula, 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 oula. C'est bon. Comme un bébé. Ah bah t'as bien de la chance. Moi j'ai plus l'habitude avec les ennemis. Moi. Oh j'ai pris cher par contre. Hein. Alors du coup. Ah comme un débile. Mais... Oh, 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 j'ai failli refaire la même bêtise. On va éviter. J'ai perdu 2 soleils d'énergie. Heureusement qu'on peut se soigner là. Vous avez vu mon beau château? Il est beau mon beau château. Une corne de taureau. Il n'y a rien par là? Ah non. Oh non, pas eux. Oh purée. Oh, faut être chiant, on sent. Tiens, excusez-moi, cher monsieur. Puis-je vous demander ce que vous faites ici? Est-ce bien ce bout de papier qui vient de parler? Bout de papier? Ne me déshonorez pas avec un nom si peu flatteur. Mon nom est Toby Maru. Toby Maru, le malfaisant. Oh là là. Un nom qui inspire la confiance. D'accord, comme tu veux. Alors, tu veux quoi le papier parlant? Je suis le gardien de l'île Oni. Mon travail consiste à tenir à distance les gens douteux. Je ne vous ai jamais aperçu par ici, cher monsieur. Ça serait tellement bien d'avoir un papier qui fait ça dans la vie réelle aussi. Qui êtes-vous? Et quelle occupation vous amène par ici? Tu parles à mon gentil ami poilu? Alors voici Ama la flèche. Nous devons atteindre le sommet de ce château aussi vite que possible. Désolé, pas le temps de faire causette avec toi. J'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter cela. Ne m'avez-vous donc pas écouté? Je suis le gardien de l'île Oni. Mais ne perdons pas de temps avec des formalités. Donc, cher monsieur, vous répondez au nom d'Ama la Flèche, c'est ça? C'est ça? Eh bien, je me targue d'être moi-même un bon coureur. Pourquoi ne pas se mesurer l'un à l'autre avec une course? Juste pour voir qui atteindra la porte de sortie en premier. Ce panneau-là explique comment faire la course avec moi. Mais comme vous l'avez dit, pas le temps pour faire causette. À partir de maintenant, notre course fera office de conversation.
Il est là, le panneau. Vers le labyrinthe du tourment. Avant de jouer dans le labyrinthe du tourment, notez ceci. 1. Marchez sur l'interrupteur et le parchemin démon bougera. Arrivez premier à la porte de sortie où vous serez enfermé. 2. Faites une ruée en appuyant sur gauche pour charger, puis maintenez l'une des touches de déplacement dans la direction voulue. Se ruer est la façon la plus rapide d'atteindre la sortie. 3. Le labyrinthe du tourment est accessible à tous sur l'île Oni. Ne créez donc pas de désordre quand vous y jouez. Ouah, ces monstres ont même des règlements en tout genre. Oh purée, j'ai pas envie. Allez. Attendez, je regarde un petit truc. Hop. Allez, on y va. Oh. Pas mal, cher monsieur. Mais ce n'était qu'un échauffement pour moi. Vous allez voir maintenant ce dont je suis réellement capable. Eh non, mais quand même. La porte, la grille, elle s'est fermée. Oh. À ras de ma queue, quand même. Vous allez voir maintenant ce dont je suis réellement capable. Maintenant, je vous le demande, cher monsieur. Pouvez-vous supporter d'être transpercé vivant? Au moindre faux pas, vous tomberez dans une mer d'aiguilles. Alors, pouvez-vous supporter une telle chose? De quoi tu parles? Qui donc pourrait supporter de se faire transpercer vivant? Eh bien, quoi qu'il se passe, n'abandonnez pas, s'il vous plaît. C'est si excitant d'avoir enfin un adversaire à sa taille. Wow. Et en plus, on est limité en temps, hein. Ah, putain, nif. Attendez, il y a mon chat qui fait quelque chose, j'arrive. Désolé. Oya Sean, comment ça va?
Désolé, le chat a fait des bêtises. Allez. On se replace bien et on y va. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer les difficultés. Oh mais non. Mais... Attends, mais ça a changé là, non? Oh, je suis tellement nul que même le jeu, il se met en mode facile. Il est où le frère? Il est où? On va continuer. Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Même si je commence à galérer avec ces courses à la noix. Alors. Hop. Mais c'est pas vrai. Voilà, c'est bon. Tac. Est-ce que vous êtes prêt? Vous semblez un peu essoufflé, cher monsieur. Ne risquez pas votre vie en faisant trop. Le passage en terrasse devant n'est pas si dangereux. Prêt? Oui, ça va, ça c'est facile ça. Je dois vous avertir, cher monsieur. Le véritable calvaire du labyrinthe du tourment commence ici. Il vaudrait peut-être mieux faire demi-tour ici. Alors attendez, il y a mon chat qui miaule. Je me mets en BRB, je reviens dans 2 minutes. Démon. Allez, on reprend. On a la trouille, n'est-ce pas, le confetti? Arrête donc de jacasser et continuons. J'espérais bien que vous diriez cela, cher monsieur. Le passage des six nous attend. Enfin, du sérieux. Faut que je vérifie aussi ce que mon chat fait. Que je fasse attention avec ses plaies. Ah non, mais attends, mais... Oh, j'avais complètement oublié tout ça, moi. Ah non.
Elle ou avec une épée, on aura tout vu. T'as vu ça, hein? Mais c'est par son une divinité. Non! Non! Vas-y, ouvre! 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 S'il vous plaît. Oh, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée. Oh oui, j'ai une idée. Hop, on prend de l'élan et... Hop, allez, on y va. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah non, ah non. Ah non, ah non, ah non, ah non, oui, 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 c'est bon. Service la clé. Oh la vache, c'est pas évident, hein, mine de rien. Faut prendre de l'élan. Et après, ça va mieux. C'est quoi ici? Et toi, mignonnerie, tu joues à quoi en ce moment? Vous faites une belle course, cher monsieur. Un mal à flèche et un nom adéquat, en effet. Mais je ne supporte plus de perdre. C'est une question d'honneur. Bon. Prêt? Le passage des roues démoniaques nous attend. Alors là, je sais déjà ce qu'il faut que je fasse. Prendre un peu des gens, des dents déjà. Allez. Mais... C'est mort. C'est mort. Oh purée. Je joue pas vraiment pour le moment, mais je vais bientôt commencer FF14. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. J'espère que ça te plaira. Mais non. Ah, j'ai peut-être pas autant. J'ai peut-être pas besoin de ralentir le temps en fait. Par contre, j'ai absolument besoin de te reprendre de l'élan. C'est bien, il y a des soleils par contre. Allez, on va prendre de l'élan et on y va à fond. Oui. Non. Oui. Ah purée, j'ai pu me... Allez, on peut le faire. Oh non. Mais non. Il était... Si j'aurais pas perdu mon élan là, ça aurait été bien. Je veux des soleils. Si jamais t'as besoin de conseils, n'hésite pas. Hein. N'hésite point. On va essayer de prendre un peu d'élan ici. Allez, c'est bon. On y va. C'est loupé. Ah, quoique. C'est pas fini. Si, c'est fini. C'est mort.
Non mais lui il passe à travers quoi, mais non, mais il y a de la triche. J'hésiterai pas si bien entendu ce que tu as dit. Oui, j'ai dit si jamais tu as besoin de conseils, n'hésite pas. N'hésite pas à nous demander. Même si Saku est plus qualifié que moi là pour le coup. Allez, go! Oh purée! Mais non! Quand je vous avais dit que ce donjon il était chiant. Après je vais sûrement commencer fin de semaine, j'attends mon PC. Ah oui, ah bah c'est pour bientôt alors. Allez go, on y croit. Purée, non mais... Mais... Oh putain gros hein. Bah, apparemment non, on dit que je raconte de la merde. Ah bah c'est... Eh là pour le coup hein. J'ai une idée. J'ai une idée. Oui. Oh oui. Mais pourquoi je perds mon élan? Oh oui. Nice. Charme de conjuration. Alors ça te la coupe, hein? 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 Vieux papier! C'est ça, c'est Céleste. Et moi je suis deux fois plus nul, donc... moi tout ce qui est statistique, optimisation, farm, c'est pas pour moi. Et craft aussi, craft. Là c'est important le craft. Je suis absolument étonné. Je n'aurais jamais cru que vous pourriez rivaliser avec moi. Arrête donc ton numéro papier toilette. Tu es simplement moins fort que tu ne le penses. Très bien. Essayons quelque chose de différent cette fois. Sans vouloir vous manquer de respect, cher monsieur. Pensez-vous pouvoir me battre dans la chambre de l'enchaînement? Attendez. Oh non, mais c'est pas vrai ce chat. Tu vas avoir ta calorette. Attention. Je rigole pas moi. Je vais te bouffer. Deux kilos de viande? Ça se refuse pas. Attention hein. Je te vois hein. Avec mes yeux. La collerette, elle est là. Et moi ici. Oh, elle me fait des yeux de chien battu. La bagarre. En même temps, Céleste, elle dit souvent des conneries elle-même. Alors, est-ce qu'on peut y croire? Je ne me prononcerai pas. Hé, je te vois. J'ai dit... Bon, allez, collerette. Voilà. Hop, je sais, t'aimes pas, mais bon. Hop, voilà.
maintenant, c'est plus des yeux de chien battu, maintenant elle me fait la gueule. Mais c'est pas grave. Ok, j'ai peur de faire des gaffes, je suis maladroit. Non, 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 quand c'est Céleste, tu peux dire elle, y a pas de souci. Hop, alors du coup, au cas où, je vais prendre encore de l'élan. Désolé pour le tournis, on y va. Ah oui, d'accord. Alors en vrai, je préfère largement faire un combat. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Non mais... bon, au moins on est soigné. Allez. 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 Ah oui, 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 c'est bon là. Ah oui, c'est bon, largement. Mais non, mais... Oh purée, je suis pas encore assez rapide quoi. Il manquait quoi? Une demi-seconde? Oh, si je pouvais en battre deux en même temps. Là, il y en a deux en moins. Il est où le troisième? Il est où le troisième? C'est tout? Oh bah non, c'est bon. Allez, c'est bon là. Hein. Oh la vache. Ah, ton système de calligraphie d'encre, tu dois suivre le schéma ou tu dois appuyer en rythme pour réussir? Non, c'est moi qui réalise un schéma. Par exemple, pour ralentir le temps, je fais deux traits comme ça. Pour le vent, je peux faire ça ou en sens inverse. Et par exemple, pour faire une bombe, faut que je dessine ceci. Hop. Mais il faut que je fasse attention aussi, parce que il y a ma jauge d'encre qui se vide régulièrement. Voilà, là normalement là c'est un cas typique auquel je pense que je vais devoir ralentir le temps. D'accord, c'est-à-dire pas comme ça. Bah, de toute façon, ça change rien. Mais... Ah ouais. Oh, ça c'est intéressant ça du coup. Là il y a un coffre. Là il n'y a rien. Il y a quoi de l'autre côté? Oh, il y a un coffre là-bas. Mais non mais... Oh là là.
compliqué, hein. Une pêche d'or. Y a des items par là. Non. Là non plus. Ok. Non, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va sauter là. Oh, il est rapide lui. Il y a un switch. Est-ce que si on fait ça? Oui, oui. Oh, pas mal. Je veux... Oh, tout ça pour une perle. Hop. Il y a des items par là, non? Et là? Non plus. Mais gros. Ok, vas-y. Hop. En vrai, je pourrais sauter là. Hein. Y a rien par là. Non. Ah purée. Ça va, on recommence pas depuis le début. En vrai, ça se tente. Hein. Ouah. C'est bon. Y a rien ici. Y a rien là. C'est bon. Ouf. Ok, alors lui, on va prendre de l'eau. Faire attention. J'ai loupé. Comment je peux te battre lui? Ah, j'ai plus d'encre. Aïe. Alors attendez. Hop. Pour la première fois, je vais devoir utiliser des soins. Comment je peux le battre, lui ? Encore de l'eau, non. Non. J'ai pas beaucoup d'encre, je vais attendre un petit peu. Mais... Mais comment je peux le toucher lui? Oh, peut-être que... Peut-être que... Non, 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 non.
Je suis sûr que ces torches, elles servent à quelque chose. Si, je vais rallumer en même temps, non? Non. J'ai pas assez plus d'encre. Peut-être qu'il faut les éteindre. Peut-être. Oh purée, j'ai plus d'encre. Je sais pas si je peux éteindre les torches. J'ai un doute. On va attendre un peu d'encre. Encore deux. Encore un. Ok. Non, on peut pas les éteindre. Je ne peux éteindre que son... Que son Kiseo. Mais... Mais il m'a quand même touché, quoi. Peut-être une bombe. Essayons une bombe. Rien. Rien du tout. Peut-être viser son œil. Mais non, mais... Ça... Ça a rien fait. Comment je peux faire pour le battre, lui ? Peut-être en évitant de me faire... Non, même pas. Oh ! Et si ? Et si je faisais comme ça ? Vas-y, viens faire ton petit coup de foudre là. Ah, ah, ah. Non, même pas. J'ai ton coup de foudre. Mais non, mais c'est pas possible. À moins que... On va essayer un truc. Vas-y. Ah purée, puis la caméra quoi.
vigilance, tes machins. Oh oui! Oui! Oh, c'était si simple, quoi! C'est pas grave, le prochain coup, on l'a tué. Vas-y, lance tes poupouilles, putain. Allez. Allez, vas-y, lance. Lance. Oh purée. Fallait juste lui renvoyer ses pouic-pouic. Bon. Alors. Hop. J'aimerais bien un petit peu d'énergie. Voilà. De l'encre. Ok. Enfin un point de sauvegarde. Oh purée. Aucun de mes camarades n'est parvenu aussi loin. On dirait bien que tu n'es pas un adversaire à prendre à la légère. Mais j'en ai eu assez. Arrêtons-nous là. Moi, Toby Maru, je vais tout risquer sur le passage des aiguilles. Oh, wow. Mais... Ok. Allez, on y va à fond. D'accord, j'ai loupé le... D'accord, du coup j'ai perdu mon élan, super. Alors, ici, il y a la clé. Alors, on va essayer de l'autre côté. Et tiens. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière ? Sinon, vous faites quoi de beau, les gens ? Attention, neneuil ! Alors, attendez. Elle est où, la sauvegarde ? Là-bas. J'avais vu une entrée là-haut. On va essayer par là. Pas folle la guêpe, hein. Alors on a quoi ici? Ok, là c'est la foudre. Hmm.
Bon, ça va, on a bien fait d'aller ici. En voilà une statue qui a fière allure. Regarde comment elle se dresse face au nuage orageux. On dirait qu'elle est prête à bondir pour dévorer un morceau de lune. Mais elle a un léger problème. Il y a un arc énorme, mais aucune flèche. L'absence d'un élément crucial est toujours désastreuse, même pour un chef-d'œuvre. Bon, on va la dessiner. On va la dessiner, j'ai dit. Et ben voilà. On va pouvoir manipuler l'électricité, la foudre. Oh, la flèche a pulvérisé les nuages orageux. Eh, regarde. Alors du coup on a... Pouic. 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 Oh, les petits gros. Oh, la différence de taille. Oh, Amaterasu, déesse du soleil et mère de cette terre. Les forces maléfiques m'ont enfermé dans les ténèbres. Mais ton arrivée m'a réveillé et a restauré la lumière de l'espoir. Toi qui parcours le même champ de bataille que moi, Gekigami, dieu du tonnerre, tu mérites de recevoir le pouvoir de l'éclair. Utilise-le pour achever nos ennemis. Il nous restera un pouvoir. Enfin, le 12e dieu, Gekigami. Foudre du châtiment, l'effrayante technique de pinceau pour contrôler le tonnerre et sa marque de fabrique. Tu peux la maîtriser, j'en suis sûr. Ama, elle t'appartenait avant. Je sais comment. Tu vois la statue de l'épée là-bas? Essaie de la toucher avec un éclair de foudre. Quand tu vois un éclair surgir d'un nuage orageux, trace simplement une ligne entre lui et la statue. Cela guidera la foudre jusqu'à sa cible. Allez, donne à cette statue un bon petit coup de jus. Le pouvoir de la foudre. Incroyable! Un tel éclair peut griller un ennemi pour de bon. Eh, on dirait que ton coup de foudre a ouvert cette porte. À croire qu'elle est contrôlée par un mécanisme électrique. Maintenant, on peut avancer. Dirigeons-nous au sommet du château avec ta nouvelle technique. Ama? Il ne te reste plus qu'une seule technique de pinceau à obtenir. Une fois que tu l'auras, j'aurai alors vu toutes les techniques. Il n'y en a plus pour très longtemps à présent. Mais ce n'est pas le moment de brasser de l'air. Nous devons y aller tout de suite, boule de poil. Alors moi, je veux revenir en arrière. J'avais vu un truc... J'avais vu un passage sur le toit. Je veux savoir ce que c'est. Du coup, on reverra plus le petit papier, je crois. On peut pas y aller là, y a rien. Bon, ça y a rien.
Ah bah non, on peut pas y aller. Oh, je suis déçu. Yesui. Non, bah on était sur le bon chemin. Tant pis, il n'y a même pas de petits secrets. On arrive au boss de fin. Ah purée. Faut que je ralentisse le temps. Ou que je prenne de l'élan. Un petit peu de bonheur. 50. Oh la vache. Oh la vache. Take 465. On n'aura toujours pas assez par contre pour. On va se prendre. Allez, on va se prendre en encre. Des soins, ça va, j'en ai assez, mais alors les encres, ça va être compliqué. Hop, alors attendez. Hop. Hop. Je reviens plus tard. Ok, mignonnerie, y a pas de souci. Merci pour ta lurk si jamais tu lurk. Alors, un charme de purification. De foudre. Quoi? Je me demande si c'est une clé. Plutôt bizarre si c'est le cas. Tu devrais être plus prudent avec ce que tu ramasses, Ama. Je veux dire, qui sait ce qui pourrait arriver? Tu pourrais finir foudroyé ou quelque chose dans ce genre. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Quoi? Oh, c'est quoi ces engins? Ils se sont illuminés de façon bizarre. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec ce petit machin que tu viens juste de ramasser. J'espère seulement que cela ne va pas actionner une sorte de piège. C'est bien, ça réagit au... à la foudre. Hop. Rapide et avec la clé
Oh la vache, il a reçu un coup de foudre. On va essayer de prendre tous les chemins. Hein. Ouais. On va essayer d'aller là. Ok, on a tout ramassé. On va continuer par là du coup. Ah non, on n'avait pas tout ramassé encore. Oh. Un os vive. J'ai vu un passage par là, en sautant. Oh la vache, c'est un vrai dédale d'ici. Bille de verre. C'est là qu'on pouvait, ouais, c'est là qu'on pouvait sauter. Hop. Une bombe. GG level option. Et ben voilà, c'est l'entrée en fait. Hop. Apparemment, il n'y a pas de perles errantes ici. Peut-être. Oh là là, la porte si ouverte. Alors, je vais sauvegarder ici. Hop. Hein? Ça, c'est ce qu'on peut appeler une statue. Superbe! Dommage que seuls ces monstres idiots puissent la contempler. Cependant, il y a comme quelque chose qui cloche dans cette statue. Plus précisément, cette épée levée, tu vois. J'ai déjà vu cette châtiment, l'épée légendaire aux 7 pointes. Mais jamais une arme avec 9 pointes. Fait poum. Ah, elle a disparu, hein. Même plus un morceau.
Thanos. Un cristal. Y'a plus rien là-bas, non. Nous arrivons à la fin. Il y avait un truc là, non? Non. Ouf. Bon sang! Anna! Qu'as-tu donc encore fait cette fois? Mais quelle andouille! Tu ferais bien d'avoir une idée vite! Et alors, faut que je fasse comment moi? Ah pur, ah je l'avais pas vu lui. Ah c'est fini. Ah quoique. Ah non c'est bon. Oh la vache. J'avais pas vu le cinquième nœud moi. Là il faut une clé. Faire attention au bambou. Alors. Tac. Par là. Là, il y a une clé. Mais là, c'est bloqué. Donc, c'est par là. C'est pas par là. C'est par où alors? Si, il y a que par là. On sait bien, on peut traverser les. Oh, c'était aussi simple. J'aurais pas dû tomber. Je vais devoir remonter. Hop. De l'encre. Ok. C'est facile. Ouf, ça je t'avais pas vu ça.
avec... Oh. Il y a un passage là. Ah oui, ça va de plus en plus vite, ok. Youpoupou. C'est bon. Ça va, c'était pas compliqué là. Un point de sauvegarde. Il est grand ce château, hein. Hop, donc là on a une clé. On va l'ouvrir. La carte. Alors du coup... Oh, il y a 7 étages. Oh la vache. Et on est... Ah, on est qu'à la moitié en plus. Après, ça va, hein, ça n'a pas l'air... Il n'y a plus grand-chose. Hop. Passer par là. Oh là là, c'était compliqué. Alors là, il y a une clé. C'est quoi que j'ai entendu? C'est ces trucs là? Ouais, donc il me faut la clé qui est ici. Si on monte là. Oh oui. Attends, mais j'aurais pu monter là. À cause de la cinématique, j'ai pas pu. C'est honteux. Alors du coup, on monte. Voilà, par là. Purée, je pouvais juste monter ici. Hop. Ok. Ok. Faudra faire attention à l'araignée, la ralentir.
tuer. Tac. C'est bon. Si je lâche la clé, ça fait quoi? Ben voilà. Oh, un truc intéressant là. Mais je veux. Mais c'est pas toi que je veux. Voilà. Elle est où la clé? Je vais aller la rechercher au cas où. Elle est là-bas. Il y a quoi sous l'escalier? Il y a rien. Oh non, pas toi. Bon, monsieur. Impressionnant, très impressionnant. Vous êtes parvenu jusqu'ici. Je dois vous prévenir, monsieur. Les jeux sont terminés. Hélas, toute bonne chose a une fin. Je dois protéger cet endroit. Mais pendant notre petite compétition, de vous à moi, je dois bien vous avouer que je vous aime bien, cher monsieur. Vous voir ainsi foncer galamment au péril de votre vie, c'est quelque chose que je veux admirer encore une fois. Aurais-je échoué dans mon rôle de gardien ? Vous voyez, mon cher monsieur, c'est que je désire vivre la course de ma vie. Arriver si près du but pour finalement abandonner? Non, ce n'est pas mon genre. Tant pis, si j'ai échoué dans ma mission de garder ce château, cher monsieur, que cette dernière course soit historique. Ouais, mais là, mais... Je vais essayer de prendre un peu d'élan. Ah purée. Ok, d'accord. Oh non, pitié quoi. Oh mais attendez. Ils sont insensibles à la foule.
J'aimerais bien utiliser. Allez. C'est rare. De l'encre infinie. Parce qu'on est limité par le temps. Il est où le petit papier là? Mais ah, c'était par là. Mais non, c'est pas par là. Ah si, c'est par là en fait. Ah purée. Mais est-ce qu'on fait encore la course là en fait? Non hein. Non, là on fait plus la course. C'est honteux. Quelle indignité. Mais c'est bon. Ah purée, j'ai pas pu. Tant pis. Est-ce que je peux en monter là? Oui, on peut remonter là. Est-ce qu'on peut aller là? Non, on peut pas. Donc ça va être une question de timing. Ok, super. Mine.
vent ne lui fait rien. Ah purée, j'y étais presque. Oula. Mais il m'a bloqué, purée. J'ai level up carry. C'est pas vrai. Non. Purée, mais il me bloque. Mais... Et là il m'a touché. Mais... Et bah tant pis. Hein. Pour le coffre. J'ai quand même vérifié que c'est pas une perle, une perle errante. Peut-être qu'un perle errante. Ouais, non, c'est pas une perle errante. Non, c'est pas une perle errante, ça va. Donc tant pis pour le coffre. Ensuite, par là. Oh non, purée, non. Bon. Le mur. Le mur. Je suis Tosembo. Je suis le gardien de cet endroit. Tout le monde passe. Hein? Personne ne passe. Encore toi. Dis, tu aimes te faire chatouiller les points faibles, non? De quoi tu parles? Hein? Bref. Ah oui. C'est donc toi le terrible assassin qui assassine mes frères. Le démon blanc à quatre pattes. Encore un nouveau surnom pour toi, boule de poil. J'avais prévu ton arrivée. C'est moi le véritable maître de l'île Oni. Je te préviens, je suis bien différent de mes frères. Démon blanc à quatre pattes. Tu ne pourras pas me détruire.
Maintenant, on part. Tout le monde passe. Alors, Saku, si t'es encore là, tu te souviens que je t'avais dit qu'il y en avait un qui allait te casser les pieds? Je crois que c'est lui. Non, ça va, c'est pas lui. Ça va, c'est pas lui. Il y en a un, il y en a plus. Oh purée, lui qui arrive des premiers coups, et pourquoi? Pourquoi j'ai tant galéré la dernière fois alors qu'il y en avait moins? Oh là là, c'est pas vrai. Bon ben non, c'est pas lui alors. C'est après. Oh putain. L'autre, il en avait 4. J'ai mis au moins une demi-heure pour le passer. Lui, il en a 5. Ça passe. Allez, c'est pas grave. Tu vois? Ça, c'est parce que la dernière fois, je l'avais fait exprès. Voilà, c'est tout. Je l'avoue, je l'avais fait exprès. J'y arrivais pas, tu vois. C'était pour faire durer le stream. Hein, c'était pour voir si vous allez suivre, savoir si vous allez m'aider, tu vois. Tout était calculé. Non! C'est donc ça le véritable pouvoir du démon blanc à quatre pattes. Tu as si facilement trouvé mes points faibles. Après m'être entraîné si dur pour les cacher, purée, même ton frère, il était beaucoup plus dur. Moi, Tosenbo, j'admets ma défaite. Mais je reste tout de même le maître absolu de cette île. Ne me déshonore pas. Alors que ma dernière heure est arrivée, je tomberai dans les profondeurs de l'oubli avec les honneurs. Oui, bien sûr. Bah, évidemment. Alors, on va faire un truc tout de suite. C'est la bombe. Cher monsieur, je ne suis pas de taille contre vous, assurément. Votre regard déterminé, votre esprit farouche, que c'est beau. Quelle élégance, quelle vivacité. Vous êtes à votre apogée. Bien sûr, laissons de côté nos petites courses mesquines. Vous qui désirez atteindre le sommet de ce château, la véritable apogée de votre aventure est à portée de patte. Votre serviteur Tobimaru n'a jamais ressenti une telle flamme de compétition avant de vous rencontrer, cher monsieur. Je ne peux malheureusement venir avec vous. Mes meilleurs voeux vous accompagnent pour la course finale. Confetti. Très bien. Mon cher monsieur, la der des der, la course suprême, le point final à notre compétition. Faites en sorte que personne ne l'oublie. Voilà. Au moins, c'est ouvert. Mais il va me demander d'aller où, lui? Ah, d'accord. Non, allez, finis. Mais... Ok. Oh purée. Il a pas sauté. Mine. Oui, et là, on y est, là, ouais. Fou.
tout simplement extraordinaire, mon cher monsieur. Je suis heureux d'avoir été témoin de vos exploits. La dernière course est plus facile quand même que les premières. J'espère que ma dernière course vous aura plu, mon cher monsieur. Hé, t'es pas si mauvais pour un bout de papier. Même si tu étais notre adversaire, tu as combattu avec bravoure. Je suis heureux qu'un grand personnage comme vous puisse assister à ma dernière heure. Et arrête un peu le confetti. Tu parles comme si tu allais disparaître. Malheureusement, j'ai enfreint les règles et je dois être effacé. J'ai l'honneur de vous souhaiter au revoir. J'accepte mon destin pour avoir abandonné mon rôle de gardien. Tu veux dire que... Oh, ne vous faites pas de soucis pour moi, mon cher monsieur. Moi seul ai choisi de vivre ainsi. Je chéris précieusement tous mes souvenirs et personne ne pourra jamais me les retirer. Je suis né simple serviteur des démons, mais j'ai pu vivre mon existence comme je le voulais. Autrement, ma vie aurait été vaine. Mon cher monsieur, j'ai bien peur de ne pouvoir vous guider davantage. J'aurais voulu avoir un bouquet de fleurs comme présent d'adieu. Mais hélas, je dois vous quitter les mains vides. Pardonnez-moi. Je vous souhaite bon voyage, mon cher monsieur. Et bonne chance. Toby Maru, les courses que nous avons faites ensemble, je ne les oublierai pas. Nous n'aurions jamais pu arriver si loin sans toi. Grâce à ton ardeur et à ta volonté de gagner, nous pouvons désormais faire face au plus grand de nos défis. Ok, cette fois, on est au boss. Vous aimez les renards ? Cherchez pas loin, hein, y a qu'une seule bonne réponse. GG level up quick. Tu sens ce frisson dans l'air? C'est calme pour l'instant, mais je sens une présence autour de nous. Je sais qu'elle nous observe, tapis dans l'ombre. Elle est prête à frapper à n'importe quel moment. Prêt, Ama? Prêt ou pas? Bah oui, hein. Pas trop le choix, hein. Je savais. Je suis impatient de distribuer des pains. Donnant une bonne leçon à cette mégère à tête de renard. Pardon. Alors, je vous préviens, là, ça va être assez sport. Eh bien, nous sommes enfin arrivés en haut de cette forteresse. Où se cache cette sorcière à tête de renard? Le grand Isun va venger la mort de la reine Himiko. Constellation, ici. Incroyable qu'elle puisse briller dans un lieu aussi maléfique. Ah, j'en ai oublié un.
Tac, 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 tac. QB. Alors, Amaterasu, tu t'es introduit dans mon château comme une sournoise petite souris. Par le pouvoir de mon maître Yami, le souverain absolu du royaume des ténèbres, moi, QB, je contrôle enfin toute la région de Ryoshima. Pauvre fou, vous allez affronter votre destin. Vous êtes venu jusqu'ici, mais je vous aurai trouvé et écrasé comme des insectes. Tout comme j'ai tué la reine Shimiko. Yami, royaume des ténèbres? Bah, jamais entendu parler. Connais pas. Et je me souviens pas t'avoir donné ma permission de contrôler Ryoshima. Yami est le maître absolu de toutes les créatures du mal. C'est le symbole ultime des ténèbres. Vous, dieux de pacotille, ne sont rien comparés à lui. Ouais, tu peux parler. C'est pas moi qui me balade déguisé en prêtresse et qui construit des forteresses louches en carton comme celle-ci. On va te dépouiller la fourrure et t'embailler pour de bon. Nous allons voir qui de nous deux est le vrai dieu. Prépare-toi à subir la colère de mon terrible pouvoir. Un pouvoir bien au-delà de celui de tes soi-disant Camille. Alors, faut savoir aussi que c'est mon combat favori. On se demande bien pourquoi. Alors, c'est après. C'est là. Mais alors, par contre, faut faire attention parce que quand j'utilise le pinceau, QB peut l'utiliser aussi. On a battu 3. Ah purée. Il en reste un. Et regardez-le. C'est un tout vieux. Je peux rien faire contre lui. Il en reste 2. Allez, vas-y.
cool. Vas-y, Brandy. Encore deux. Prochain coup, c'est bon. Et voilà. Vous avez obtenu une arme divine, l'épée de Kusanagi. L'épée légendaire de Jade obtenue après le combat contre Kyubi. La mort de la reine Shimiko était enfin vengée. Toi, tu es divin. Mais évidemment. Enfin, moi, je suis un gardien, mais gros. Kyubi n'était pas de taille contre la détermination d'Amaterasu. La terrible bête vaincue, sa vraie nature se révéla aux yeux de tous. À sa mort, son corps n'était plus qu'un faible et vieux renard. L'île Oni languissante de son maître commença à s'effondrer. Et comme une dernière offrande à toutes ses victimes, la forteresse se transforma en fleur, puis disparut à jamais dans l'océan. Otohime, qui s'était transformé en dragon des mers, retourna saine et sauve à son palais, le devoir accompli. L'esprit hideux de Kyubi se transforma en brume d'une obscurité absolue, rejoignant dans le ciel sinistre celui d'Ekibyo. Les deux esprits dansèrent un moment, puis s'entrecroisèrent pour former un nouveau nuage. L'énorme masse d'obscurité vola rapidement vers les terres du Nord. Quatre esprits du mal avaient émergé du corps d'Orochi. Peut-être que ces deux-là voulaient rejoindre leur frère. Les derniers mots de Kyubi résonnèrent encore dans la tête de nos héros. Yami, le seigneur du royaume des ténèbres. Cette formidable créature vivait-elle dans les terres du Nord ? Amaterasu flaira une présence qui la fit trembler. Isun était diminué et après avoir bravement accompagné Amaterasu, il sentit pour la première fois un pincement d'hésitation au cœur. Car il savait que son aventure se finirait une fois les 13 techniques du pinceau céleste retrouvées. L'expression d'Isun se fit triste. Car il ne restait désormais plus qu'une seule divinité. Mais leur aventure était encore loin d'être finie. Nos deux compagnons devaient désormais affronter le danger des terres du Nord. Pas le temps de te reposer sur tes lauriers, Ama. On a vaincu Kyubi,
Mais ça nous a pas ramené la petite Himiko. Mais tu peux accompagner son esprit avec un hurlement victorieux. Et donc là, on va arriver à la dernière partie du jeu. Bah oh non, en temps, je suis désolé, j'ai été rapide pour le battre. Sauvegarder la partie, bah évidemment. Bonjour ma chère Amaterasu. Alors, comme ça on a fait la chasse au renard sur l'Elonie? Avis d'œil, je dirais que tu en avais que t'en as vu de toutes les couleurs. Ce renard rusé était donc aussi corsé. Espèce de... Comment oses-tu? Comment peux-tu être aussi insensible à la mort de Himiko? Hein? Oh, je vois. Eh bien, je ne pensais pas que tu pleurnicherais de la sorte. Après tout, la reine Himiko s'était résignée à son destin. Même toi, tu le savais, Amaterasu, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? De toute façon, tu es la dernière personne qu'on a envie de voir. Dégage, prophète à deux sous. Eh bien, tu es d'une humeur magnifique aujourd'hui. Ta colère a suffi pour obscurcir le ciel. Ta colère a suffi pour obscurcir le ciel. Tu vois, je te le disais, cet éclair vient du nord des plaines de Shinshu. Il annonce sans aucun doute l'arrivée d'un orage. Eh bien, ma chérie, je dois te dire adieu. Mais avant de partir, un dernier mot. Une décharge et ça s'ouvre. Ouf, ça fait du bien de délivrer une petite prophétie. Et pendant que j'y suis... Je vais inscrire un repère sur ta carte. Hé, hey, qui t'a permis? N'avais-tu pas l'intention de t'y rendre, chérie? Tu sais, dans la direction du mal qui s'est échappé du corps du renard rusé. Bon sang, qu'est-ce que tu mijotes encore cette fois, Don Juan? Hé, hé. Oh, ça fait du bien de prédire à nouveau après si longtemps. Tu me vois? Tu ne me vois plus. Au revoir. Hop. On va aller aux plaines de Shinshu. Mais cette souris... Alors... Hop. Taikun Shinshu. Ah, j'aurais peut-être dû retourner à Ryoshima pour voir les techniques du pinceau. Les techniques d'armes, pardon.
1. On va y aller. Ryushima. On va aller voir le vieux. Allô. La rage de bronze, il me faut 2 millions. Ah oui, ah oui, il me faut 2 millions. OK. OK. Bon, on a peut-être pas les 2 millions. Faudra qu'on revienne quand on aura les sous. C'est bon, j'ai entendu un singe. Ouais, mais ils sont nourris. Par là, on va les sauvegarder. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Bon, les gens, merci d'être venu. On s'arrête ici après QB. Merci pour les GG. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour peut-être pour du bus, peut-être pour du FF. Je sais pas, ça dépendra du jour. Sinon, si jeudi ça va pas non plus, ce sera vendredi pour la suite d'Okami. On verra. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, portez-vous bien, bon courage pour la semaine qui s'annonce, et puis bonne rentrée à ceux qui vont la recommencer, et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.